1, 2, 3. Je crois qu'il s'en fout un peu là de la vidéo, non? Wesh, c'est ta cousine préférée! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Gizmo. Et de moi. Non, pas toi. Donc voilà, je vous présente Gizmo, c'est le chihuahua mon petit cousin. Et je vous explique, pour cette vidéo en fait, on va tester l'intelligence de ce chihuahua. Parce que à ce qui paraît, les chihuahuas sont très intelligents. Apparemment, le chihuahua aime être au centre de l'attention. N'est-ce pas Gizmo? Regarde comment il te rend, oui, j'ai un tapis, frère. Donc comme vous savez, les chihuahuas c'est des chiens nains. T'es nain. T'es un nain. T'es nain. T'es un nain. Et donc ils disent qu'ils sont classés parmi les races intelligentes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Gizmo. On lui a préparé plein de petits tests. Là on va le laisser faire une sieste. On te fait une sieste? Vas-y galoche-le. Je pue de la gueule. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire. Et tu peux toujours t'abonner, ça fait plaisir. Ah, tu connais pas la... Tu connais pas la chaîne à ta cousine? Ah, en fait, je suis la cousine préférée à tout le monde, sauf à mes vrais cousins. Bon, allez, on se retrouve après la petite sieste, les gars. Là, un bisou, Gizmo. Du coup, là, on est dehors. On va passer à la première étape. Déjà, on va voir si c'est un chien intelligent. Non, non, je crois pas. Ah, si. Gizmo, donne, wesh. Bon, ça commence bien. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on a ramené une serviette. Waouh, on a une Edgy va lui mettre la serviette dessus et on va chronométrer. On va voir au bout de combien de temps le chien arrive à s'enlever de la serviette. T'es prêt? Dès que je le pose, tu lui mets. 1, 2, 3. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, arrête! Bon, vas-y, vas-y. 1, 2. Oh, mais qui est là? Il a été trop vif. Attends, viens, je lui fais un deuxième round. Ramène-le, ah ouais, ramène-le. Round. Attends, vas-y, viens, on va faire un test pour voir si ça marche pareil sur les humains. 1, 2, 3. Ça change pas trop d'un chien. 1, 2, vas-y, vas-y. Oh, il est trop chaud, chien. Il est trop vif, je suis en train de péter un plomb. Oh, on lui a mis la serviette, il s'est téléporté de la serviette. Du coup, la première épreuve, on va lui mettre 10 sur 10. C'est une épreuve de quoi, ça? Une épreuve de vitesse. C'est un chien? Non, c'est pas une épreuve de vitesse. D'agilité. C'est un chien très agile. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a trois gobelets. Là, on a une friandise. On va mettre une friandise au milieu et il doit deviner dans quel verre est la friandise. Par contre, ces friandises, elles donnent trop envie. Heureusement, c'est le ramadan, sinon je l'aurais cassé en deux là. Dis-moi bien. Dis-moi. Vas-y, frère. Regarde, attends, il faut qu'il voit la friandise. Allez, allez où? Alors le mec il a rien à voir, il se barre de la vidéo. Là regarde, regarde Gizmo, là. Ouais. Attendez, criez pas, il a pas encore trouvé. Ouais. Bon, ce chien est très turbulent. Pour cette deuxième épreuve, vu qu'il est un peu galéré, on va lui mettre la note de... Allez, 7. Ouais. On va faire un deuxième round, parce que le premier c'était un peu un échec. Gizmo, tu la vois la friandise? Ouais. Elle est où? Vas-y, choisis là. Là, là ou là? Choisis, oui. Oh. Oh, 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 oh. Il a eu? Oui. Oh, il a oublié là. Mais là, c'est une épreuve de vol, c'est pas une épreuve d'intelligence. Là, on est à la quatrième épreuve. Ça, c'est la quatrième. Ben ouais, je crois. C'est une épreuve. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui lancer la balle. On va voir en combien de temps il la rattrape. Donc, je vais chronométrer. C'est un petit chien, il a l'air vif. On va voir s'il est rapide. 1, 2, 3. Allez, Gizmo, va chercher. Va chercher, wesh. Gizmo, allez. Là. Hé. Hey. On va dire ça compte et on va dire qu'il a mis 12 secondes. Je crois qu'il s'en fout un peu là de la vidéo, non? Ah, il est au max, ça. Voilà, hein. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et abonnez-vous, hein. Et Gizmo, réveille-toi, là. Bon, par contre, pour manger les feuilles, on peut lui mettre 10 sur 10, hein. Tiens, wesh. Ah, frérot, je te demande 2 secondes d'attention. Juste, tu vas chercher une balle, après tu manges l'herbe, si tu veux. T'es prêt, Gizmo? Elle est jaune, ah. Blanche. Attends, attends, vas-y. Une balle de tennis, ok? Bouge pas. Gizmo, là, 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 tu vois là, 1, 2, 3, va chercher. Mais va chercher. Mais va chercher. Il comprend rien. Allez, je lui dis va chercher, allez, il part manger les feuilles. Ah, le chrono il tourne toujours, hein. On t'a pas
Attends, Dudou, viens, viens, doucement, on va faire un test. Allonge-toi par terre. Vas-y, allonge-toi. Ah, Willy! Ah, là, il court, là! Là, par contre, quand c'est pour courir après les gens, il court. Déjà, on va faire un étage. On fait un étage. Les gars, dis, ajoutez-moi Amir avec deux I, deux R, 8, 4, 5. On a fait une pyramide de gobelets. Et vu que ce chien, c'est un bébé, il a même pas 6 mois, je sais pas s'il s'est sauté, donc on va tester. Gizmo! Allez, viens, mon gars! Allez, viens! Gizmo! Faut lui mettre une friandise, là. Ouais! Ouais! On va passer au deuxième étage. Voilà, deuxième étage. On va essayer de le faire venir. Vas-y, appelle-le. Gizmo! Là, tout au moins, il tombe. Alors là, ouais, mais ce chien, il est trop malin. Il est trop malin. Ouais, je suis choquée. Hein. J'ai même plus envie de faire l'épreuve. Tiens, regarde. Hop là. Il est trop malin, je suis choquée. Julia, Jidou, pour cette épreuve, on lui met combien? On est d'accord, il mérite un 10. Oh, 20 sur 10, là. Il a défié toutes les lois. Il a défié les lois de l'intelligence, de la gravité, de tout ce que tu veux. Bon, les gars, on a fait des petits tests pour Gizmo. Je crois qu'il en a marre, parce que depuis tout à l'heure, il fait que de se barrer. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vos chiens, si vous avez testé sur votre chien ou quoi, si il est aussi intelligent que celui-là, là. Je pense que c'est pas difficile d'être plus intelligent que lui. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez d'autres tests à faire sur le chien. Et on lui refera plus tard pour voir s'il a évolué ou s'il est toujours aussi naze. Et c'était ta cousine préférée avec Julia et Didou. Et Amir. Vas-y, aboie, Gizmo. Qu'est-ce que c'est?